pas. Et bienvenue dans ce tout premier vlog voyage. Donc désolée pour ma tête de déterré. Hier on a passé vraiment toute la journée à préparer les bagages et on est parti à minuit. Là il est 7h30 du mat et on est arrivé donc vers Annecy, puisqu'on va passer du coup une petite semaine à la montagne. On va faire un espèce de road trip, etc. On va visiter plein de lieux et j'avais du coup envie de partager tout ça avec vous. Donc voilà, ça a été un petit peu sport, hein. On a traversé la Suisse, etc. C'était un petit peu bizarre. Il y a eu de la brume, de la pluie, la route était glissante. Et à un moment donné, dans les virages, j'ai eu ultra peur. Mais bon, là, on est sur un aire d'autoroute et on est à 10 minutes de l'hôtel. On va aller déposer les bagages. Ensuite, on va aller prendre un petit déjeuner dans un café ou à l'hôtel, je sais pas trop, on verra. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Donc du coup, en fait, depuis tout à l'heure où je vous ai laissé, donc on a déposé le lit parapluie et notre valise à l'hôtel pour que, en fait, ça... Mais arrête. Pour que ça ne soit pas visible dans la voiture, quoi, tout simplement. En même temps, j'ai demandé si on pouvait déjeuner sur place. Donc on a pris un petit déjeuner sur place, mais bon, je suis un petit peu deg. Parce qu'on a payé un petit déj 20 balles et déjà c'était pas très bon et en plus mon chéri avait pas très faim, donc on a payé un café 10 euros, voilà. Mais bon, après je me voyais pas aller redemander de rembourser. Oui, bonjour, mon chéri a pris qu'un café, vous pouvez nous rembourser. Donc bon, là du coup on est venu sur le lac d'Annecy. On a un petit peu galéré à trouver, mais le paysage est super beau, c'est super agréable. Il y a un petit soleil, on a de la chance parce que normalement il devait pleuvoir et on a un petit soleil. Donc là on s'est assis dans le parc. Hop là, sur un petit linge. Là on est en train de se demander si on mange quelque chose pour ce midi et où. Donc voilà. Donc vous êtes nombreuses à me demander où j'ai eu ma poussette. Donc en fait c'est une poussette que j'ai eue chez Varbaudet. Et en fait c'est une poussette duo, ça veut dire qu'en fait on peut soit mettre un espèce de hamac comme ça ou mettre des adaptateurs à ce niveau là pour mettre le cosy qui sert aussi de siège auto. Donc j'ai arpenté le net pour trouver une poussette qui soit pas trop chère et modulable mais aussi surtout pratique. Et celle-ci elle est vraiment pas mal parce qu'une fois pliée elle tient quand même dans un petit coffre. Parce que nous on a des petites voitures, donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça tient bien. Et écoutez, elle tient le choc, elle est pas mal. Au niveau du hamac, Léo, là-dedans, il est plutôt bien installé. Et voilà, vous avez la petite capote. Il y a aussi un truc pour la pluie et un coupe-vent. Il me semble que le nom, c'est Duo City. Voilà. Après, vous avez des trios, mais moi, ça ne servait à rien parce que la nacelle, j'allais pas m'en servir. Donc voilà, ça, c'est une Duo. Et je l'ai eu chez Varbaudet pour... c'est ma belle-mère qui nous l'a offert et elle a coûté quoi, 280 je crois. Donc voilà, un des plus bas prix que j'ai pu trouver sur internet pour une poussette duo, quoi. Voilà. Ouais, t'as oublié de prendre le gaz. On voit pas ta petite tête, mon bébé. Tant mieux, hein, j'ai trouvé une sale tête pour qu'on voit ma tête. C'est mieux comme ça? Ouais, ben. Donc toi, fromage pour toi? 3 pour moi. Voilà, pour le dent. C'est joli de boire du cidre là-dedans. Déjà, comme ça.
Eh, dis donc. Oui, c'est moi qui bois de Lucide. Comme une vraie popoche. Tu veux des preuves? Allez. Je passe pour la poivrotte. La poivre fromage. Avec la salade que mon chéri déteste. Et moi, c'était quoi déjà? Ah oui, la fondance. Hop, bon appétit. Donc la spéciale et... j'ai oublié. La Snickers. Où j'en étais, moi? Est-ce que t'avais une sale tête? Oh oui, ça, pour avoir une sale tête, j'ai une sale tête. Oh là là, je suis blanche comme un cul. Qu'est-ce qu'on a pensé du restaurant? T'as aimé, toi? C'est pas ton nom. Moi, j'ai super aimé ma crêpe. Moi, j'étais bon. Le fromage et la crêpe, il était bon. Il était bien, bien fort, mais tout ça. Après, la crêpe sucrée en elle-même, je vois par rapport à là où on est allé, où la crêpe sucrée, vraiment, tu peux la manger toute seule. Là, la crêpe sucrée, c'est pas tellement de... Donc du coup là en fait où on a été manger tout à l'heure, ça s'appelle la crèmerie du vieux Annecy et t'as dit crèmerie? Non, crêperie. La crêperie du vieux Annecy, et moi en tout cas j'ai trouvé ça super bon, autant ma crêpe salée que sucrée. De toute façon je vous avais filmé quelques petites images. Je vous mettrai de toute façon les liens sous la vidéo. Parce que je tiens vraiment à faire découvrir ce petit établissement. Parce que franchement, je trouve que c'est correct. Les personnes sont super sympas. Franchement, on a mangé tranquillement. Gazouiller chanter, ça va de guinde. On a mangé tranquillement et voilà. Et en fait, c'est une petite nana qui a monté ça depuis l'année dernière, je crois qu'elle m'a dit la dame. Donc voilà, si vous êtes dans cette région-là et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour parce que du coup, pour 4 crêpes, non Léo, 2 salées et 2 sucrées, on a payé 40 euros. 40,50 euros, ouais. 11 euros et quelques les crêpes salées. 11,50 € et 12,50 € les crêpes. Ah oui, bon, j'avais pris aussi un petit bolino de cidre là. Et c'était 7,50 € je crois, la crêpe sucrée. Mais la crêpe sucrée gourmande, hein. Il y en a des plus simples qui sont à 4 euros et quelques. Nous, on avait pris une gourmande, comme vous avez pu le voir. Sinon, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est tout simplement rentrés à l'hôtel, puisque notre chambre était prête. Et on a fait un petit peu tout ce qui était administratif, hein, obtenir la clé, payer, etc. On s'est installés. Demain, quand je serai un petit peu plus fraîche... je vous montrerai un petit peu la chambre, mais en fait elle est hyper petite et du coup avec toutes nos affaires c'est le bordel. J'aurais préféré en fait vous montrer la chambre sans les affaires, mais quand on est arrivé les dames elles ont limite tout installé, enfin déballé. Elles nous ont aidé à déballer le lit parapluie pour Léo, elles nous ont filé un matelas et tout, donc en fait du coup on a tout déballé dans la foulée et c'est le gros bordel. J'ai lavé Léo, je me suis douchée parce que j'en pouvais plus. Parce que du coup, pour résumer un petit peu, hier on était dans les préparatifs toute la journée et on a attendu minuit pour partir. On avait environ 7 heures de route, non ? Un peu moins, 6h30 je crois, 6h30, 7 heures de route. On a fait quelques petites pauses, etc. Donc du coup, ça nous a fait arriver vers 8h sur le parking de l'hôtel où on a pris un petit déjeuner qui était pas bon du tout. Pour 10 euros là, par personne, c'est vraiment abusé. Enfin bref. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Et après, oui, c'est ça. Et après, en fait, le petit déjeuner, on est reparti. Et on a été au lac, et après on a cherché une crêperie, et on est rentré. On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, parce que clairement, on n'en peut plus, on est au bout de notre vie. Puisqu'après la petite douche, on a tous les trois sombré. On a dormi combien de temps? 3 heures? Ouais. On a dormi 3 heures. On aurait dormi plus, mais bon, Léo s'est réveillé, on vient de lui donner à manger. Et là, on sait pas trop ce qu'on va faire pour manger. En fait, il y a un espèce de truc de buffet à volonté qui est à 17,90 €. Hein? Oui, je veux ça.
qui est à 17,90€. Et on se dit qu'on n'a pas vraiment envie de payer ce prix-là si c'est aussi bon que le petit déjeuner. Donc bon, à voir, je vous dirai ce qu'il en est. Je vais quand même conclure cette journée ici parce que voilà, j'ai déjà pas du tout une tête présentable. D'habitude, jamais je vous aurais montré ma tête sur YouTube comme ça. Mais bon, j'ai vraiment envie de faire ces petits vlogs et j'espère en tout cas que vous, ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux, tout est en barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve demain avec une meilleure tête. Salut, ciao.